wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. En septembre 2019, Gaël Voiry et son mari ont été percutés sur la route et n'ont malheureusement pas pu survivre. Des années plus tard, la fille de l'ex-Miss France sort du silence alors que le chauffeur responsable est sur le point d'être jugé. Gaël Voiry, Miss France 1990, est décédée en 2019 après avoir été percutée par un véhicule. Cet accident, alors qu'elle était à vélo, a également causé la mort de son mari. Le chauffeur qui les a percutés était sous l'emprise de l'alcool, et son jugement a été entamé le 11 mai 2021. Safi se confie des années après la mort de Gaël Voiry à l'âge de 51 ans. Sa fille, Anne-Charlotte, a accepté de se confier dans les colonnes de Gala.fr sur la tragique mort de sa mère. Selon ses confidences, sa maman était une femme active, sportive, persévérante, courageuse et belle. La jeune femme était très proche de sa mère et de son mari, ils lui ont transmis le goût de la vie. Leur mort a causé un énorme vide dans sa vie, principalement la façon dont ils ont été emportés par la mort. Cette perte tragique a donné l'envie à Anne-Charlotte d'alerter la population sur les dangers de l'alcool, principalement parce que les morts causées par la circulation de la route se font de plus en plus. Le jugement tant attendu depuis près de 2 ans, Anne-Charlotte est dans l'attente du jugement du chauffard responsable de la mort de ses parents. Le 11 mai 2021 est sans doute un jour marquant pour la jeune femme, car c'est une date qui marque le début de la fin de son deuil. Elle souhaite que ce soit un jugement équitable, qui mettra la lumière sur toute cette histoire. Et ce n'est que là qu'Anne-Charlotte aura la paix. Clichy, une nonagénaire écrasée par un camion. Un terrible accident est survenu à Clichy le 4 mai 2021. Il s'agit d'une femme âgée de 90 ans qui a été accidentellement percutée par un poids lourd. En manœuvre, le chauffeur n'aurait pas vu la nonagénaire, qui se trouvait dans l'angle mort. Ambulance. Photo, chef.